RE2 remake please plus. Là on met Resident Evil 2. Ah là on met on va mettre ça là. Voilà. Comme ça. Ça. Voilà. Et là, attention. La magie de la magie. C'est magique. Magique du cul. Arrêtez de me parler, Jean. Les gens. Ah oui, bah oui, forcément. Non, pas les gens. Twitch. Twitch me parle. Donc, du coup. Steam. Ah bah oui, il faut ouvrir Steam. Il paraît avant. Il paraît qu'il faut ouvrir Steam. Donc, un petit peu de Resident Evil 2. Pour flipper notre grand-mère. Parce que flipper, c'est bien. C'est... Moi, je suis content. Moi, j'ai une bonne. J'ai un bon petit trip là. J'ai eu mon petit. Mon petit 6 millions 5. On y arrive doucement au. On y arrive doucement au. Allez vite. Hein. Doucement, doucement, doucement. On y arrive. Doucement. Mais on y arrive. Bon. Eh, mais non. Ouais, mais là. Ouais, mais là, attends. Attends, feinte. Feinte de blague. Là, il faut mettre en mode. Oui. Là. On est bon? Si je fais ça, on est bon? Oui, on est bon! Oh, il a dit. Oh, bah c'est le bordel. Ah, bah tiens. Comme par hasard, c'est le bordel dans les câbles. Oh, mais non! Attends. Est-ce que c'est moi le bordel? Je sais pas. Peut-être pas. Oui, non. Absolument pas. Non. Bordel. Attends, faut ça que ça. Ça y en est bon. Alors, donc. Mais qui met la police? Base de survie, bonus débloqué, on s'en. Tabasse le cul. Super, super, on s'en fout, putain de ouf. Campagne. Continuez. Alors on était à... Que on a... On a. Me semble-t-il qu'on a la... Pourquoi tu fais de la merde? Ah, comme ça, hop, 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 voilà. Donc on a la clé de l'angoisse. Ah mais moi je suis dans la merde, c'est ça? Moi je suis pas bien. Il me semble que moi je suis pas bien. Non, je suis pas bien. Attention. Alors, attention. Du coup, est-ce qu'on fait attention à attention? Non. Comment on fait pour... Ah putain, je me souviens plus du tout. C'est angoissant de ouf. Ah oui, il faut appuyer sur le stick pour courir. Oh, c'est angoissant de ouf, mec. Bon. On a quoi là-dedans? Cartouche fusil à pompe, poudre noire, plante rouge, et on avait mélangé la plante verte comme un gland absolu. Mais on a la clé as de pique. Ça c'est bien. Du coup, on peut aller. J'ai presque envie d'éteindre ma lampe. Eh, ça chauffe là, il fait chaud derrière mon PC en hein, voilà. Ah, pourquoi? J'aime pas hein. J'aime pas quand ça saute. Ah, c'est... À moins que si peut-être que j'ai toi la gueule à un moment donné. C'est bien, c'est assez. Pas que ça rentre dedans non plus, pas de fin. Voilà. Donc, nous disions la carte. Là on est où? Où qu'on est? Où qu'il est? Où qu'il est le Yuki? Il est là, il faut qu'il retourne dans la pièce principale. Parce que il faut ouvrir. Ah non, mais je suis déjà. Attends. Non, c'est celle. Ah, c'est celle-là, la clé as de pique. Donc, il faut longer. On va. Faut juste longer le mur par la gauche, en fait. Allez. J'aime pas trop ce délire de. Les touches. En mode.
En mode on court en appuyant sur le joystick, c'est un peu Dark Soulsesque, c'est un peu angoissant-esque. Mais je peux pas passer par là? Ah non, c'est qui est bloqué? C'est bloqué qui? Ah mais là c'est ouvert les archives. Pourquoi là c'est tout pas bien? Ah oui, parce que trèfle. Ouais, d'accord. Et là c'est une sortie. Ouais! What the fuck en vrai? Ah mais je peux aller dans les bureaux. Dans les bureaux, j'ai la clé. Mais c'est une arnaque totale ce truc. Ah, attends, là je peux y aller. Là c'est bon. J'aime. Il y a pas assez. En vrai, je te jure, il y a pas assez de lumière, ça m'angoisse de ouf. Affichage, luminosité. Plus, je veux voir des choses. S'il vous plaît. Voilà, je veux voir des choses. Non, ça me. C'est juste pas possible. Oui, c'est bon. Confirmé. Et là, faut que. Ouais, si, quand même. Confirmé. Tac, tac. Est-ce que je vois les trucs? Ah, c'est un petit peu trop lumineux, si tu veux, là. Se calmer un petit peu, quand même. Un petit peu, quand même. Un petit peu. Donc là, on va juste réduire un peu ça. Voilà. Comme ça, confirmé. On est comment? On est mal! Du coup, on va tout mettre un peu en mode un petit peu tranquille, détends-toi. En mode calmez-vous. Là, c'est. Ah, c'est ça en fait qui est trop bien. On est bien? C'est un peu trop violent, mais il y a ce petit brouillard un petit peu glauque là, un petit peu chelou glauque, que j'aime assez. Ah oui, là, c'est les initiales, les trucs qui font chier d'ailleurs. Bonjour. Il utilise la clé. Ah, oh, ouverture. Et du coup là on se retrouve dans le fucking hall. Ah, et cinématique. Te voilà. Approche. Regarde. Je m'habite. C'est elle. Elle s'en est sortie. Oh, il parle. Ouais, elle s'appelle Claire. On est arrivés ici ensemble. Tu peux accéder à cette cour via l'étage supérieur. Côté est. Compris. Merci, lieutenant. Et moi une balle. Oui. Et les trucs que j'ai ratés, sans doute. Côté est. Donc là, on est côté. Ici. Est, c'est là l'est, c'est à droite. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ce qui se passe? Ah, je suis pas serein. Hein. Depuis tout à l'heure, je suis pas serein. Voilà. Bonjour. C'est une plante? Une plante. Je prends. Pour mélanger avec la plante rouge, utiliser quand je suis un peu décédé. J'ai encore un couteau ou pas? Je sais plus. Ouais, il est cassé, hein. Ouais, il est cassé. Des balles. Ouais. Encore? Oui. D'accord. Brochure. Bienvenue à Raccoon City, c'est yo, Raccoon City peut faire du mal. Les aspects de votre ville. Ok, on s'en fout, c'est un musée. La déesse dans le haut principal sont les vestiges des époques révolues. Orphelinat. Bâtiment, c'est pour son vitrail qui attire les visiteurs du monde entier. D'accord. Sans tabasse le cul, de ouf. De ouf, hein. Mais j'ai la clé arc-en-ciel. La clé as de pique. Y'a quelqu'un? Mais pourquoi il fait nuit ici? Il faisait jour l'autre, dans l'autre côté. Détendu, hein. J'entends un bruit délicat. Ah, quand même. Ah oui, d'accord. Donc là, voilà, porte apparemment condamnée. Voilà. Donc. Barrons-nous. Mais.
Mais c'est pas indiqué. Salle d'art. Quoi? Weapons locker keycard. Carte d'accès. Pour. Je sais pas. La pierre rouge. Le rubis captivé, le précédent de Woodstock, la perle du. Que le. Cupule la reine du Nil, le diamant qui mena la reine. Qui mena la reine de la guillotine. Les histoires liées. Ce mystère, la pierre rouge n'est que la dernière d'une longue série. Comme les autres pierres, c'est une connue. On dit qu'elle en a jadis la boîte à bijoux du noble qui peut même être bien en rassage. Cet automne, cette pierre. Passionné devrait s'y bousculer. Mais, chère lecture, faites preuve de prudence car le mal est tapis dans l'ombre de la beauté. Je vais transformer un sujet des spots depuis. Oh putain, je suis perdu. Oh ta mère. Oh, excusez-moi. Oh le dead juice. Oh, la cul. C'est le sang versé par ce joueur qui les rend si brillants et corrompt le cœur des propriétaires. Dès qu'il rentre. Alors que je me fais harceler dans le Discord, que se passe-t-il? Ah, yo Léon S. Gennady. En plus, j'allais s'unir sur le Discord, on va voir qu'est-ce qui se passe. Je suis sur le vocal, hein. Je viens de casser les fesses. Oh, mais je viens de changer de jeu. Oh, c'est incroyable. Mais en vrai, il y a moyen. Cassage de fesses. Cassage de fesses. Bras gauche de statue. Arrêtez, j'ai plus de place dans mon inventaire, bordel de merde. Pistolet en... Mais non, mais pas ça. On va remettre le... Hop. Et donc. Que se passe-t-il donc? Mais Alors, bras gauche de statue, hein. C'est pas dit que c'est le bras gauche qui est sur cette statue. En plus... Théma sur le live. C'est j'ai trouvé ton bras, regarde. c'est le bras de la branlette. Oh, oh, oh tiens, attends. Ah mon dieu, attends. Ah qu'est-ce qu'il est con ce mec, putain, j'ai mal. Je te jure, j'ai mal à mon moi-même. Bon. Peut-être tout à l'heure, j'ai joué en ligne, j'ai un peu grind. Je suis monté, j'étais à 4,5 millions, je suis monté de 4,5 millions à 6,5 millions. J'ai pas perdu une game, j'ai perdu contre un Pikachu dégueulasse des enfers. Ah, et Mais j'aurais pu gagner. En vrai, j'aurais pu gagner. À tous les viewers qui regardent, arrêtez de jouer Pikachu. Ah bah ça tombe bien, y a pas de viewers, donc je pense que ça a continué longtemps. mais je streamais des heures impossibles aussi. Bah attends, tu sais quoi, vas-y, attends, je vais aller sauvegarder, puis on se casse le fion, si tu veux. Attends, t'as le time, mec, hein, je viens de me réveiller, je sors de mon lit. Hein. Oh le mec, 15h48, il sort de son lit, t'as le time qui me dit. Est-ce que... Le pire, c'est que j'ai même pas tellement dormi que ça, frère. Ah ouais, t'as fait le mec, t'as fait le sac à merde encore. Depuis que j'ai FF, ça fait quoi? Ça fait 2 jours, j'ai dû faire 6 heures de sommeil en 2 jours. Ah, ce bâtard. Sérieux? Je suis à plus de 20 heures de jeu sur le jeu là. Il est si bien que ça en vrai. Oh là. En vrai, il est magnifique, mec. Ah, j'ai vu, ouais, il a l'air magnifique, mais. Moi, j'ai hâte qu'il sorte sur PC. Je le sauce sur PC, mais je le dose. Et le gameplay, en fait, il change de ouf en vrai comparé à. Bah, ça a rien à voir, hein. Gros, c'est des trucs partout là, c'est du Active Time Battle. Je sais pas si t'as fait Crisis Core. Si j'ai fait Crisis quoi? Crisis Core, c'est un spin-off qu'ils avaient fait sur PSP. Alors en fait, écoute, moi j'ai fait FF13, qui était un petit peu du Active Time Battle en vrai. Ouais, bah c'est, en fait c'est ça, c'est à peu près le même système, c'est genre t'as une jauge qui se remplit au fur et à mesure, quand t'as jaugé à la pleine, tu peux faire des actions. Ah mais c'est à la Secret of Mana en fait. Comment dire, t'as déjà joué à Tales of? Bah, Tales of... bah mais Secret of Mana mec, hein, c'est pareil, hein. Secret of Mana la même, hein. Et je te parle de ça, c'est en 1993, un truc comme ça mec. Je te jure. Mais c'est un peu comme Tales of, genre t'as les enchaînements au corps à corps. Ouais. Ça en gros tu peux spammer quand tu veux. En fait Secret of Mana, ouais, t'as... En fait tu tapes, ça bouffe des points d'action machin et en fait ça remonte en temps réel quoi. Et tu retabasses derrière et tout. Ouais là c'est pas exactement le même système. C'est en gros ouais tu tapes et au fur et à mesure que tu tapes ça te remplit des jauges d'ATB. Et ces jauges d'ATB tu peux faire des compétences ou te soigner avec en fait. Ah c'est ouf en vrai. Ouais, en vrai, mais franchement, le système, il est vraiment trop bien fait. Tu peux contrôler tous les persos qui sont dans le jeu. Ouais. Les persos qui sont dans le jeu, ils ont tous je sais pas combien d'armes.
Et ils ont fait genre un système d'amélioration d'armes, ce qui fait qu'en fait, genre l'épée broyeuse, tu vois, tu pourras la jouer du début jusqu'à la fin. Hein, toutes les armes, tu pourras les jouer du début jusqu'à la fin, en fait. Ah, si t'as envie, donc du coup, c'est... Donc du coup, en fait, c'est pas genre ton arme, elle a un peu pété, puis après, c'est de la merde, et puis après, ça rend un peu pété, puis après, c'est de la merde. C'est genre... Comment ça, c'est qu'en fait, en montant le level up, enfin, quand tu level up, en fait, t'as pas de points de compétence pour ton perso, par contre, t'as des points de compétence pour tes armes. Ah, ça, c'est stylé, ça, en vrai. Et donc, hey, en fait, chaque arme, elle a son skill tree, on va dire. Eh, hey, mais je vais tellement le doser, ce jeu, t'as même pas idée, mec. Quand je vais... Non, quand je, quand... Mais franchement, il est un peu beaucoup scénarisé, mais magnifique, hein, les ah. décors, ils sont magnifiques, les combos de gameplay, il est vraiment jouissif. T'es obligé de scénariser de ouf, mec, c'est FF. Ouais, enfin... Après, moi, j'attends... Bon, attends, moi... Ouais. Juste aux toilettes. Oh, il va faire caca. Non, je vais pisser. Ah, ouais, fais pipi. Évacuer la Gaule du matin. Ah, évacuer la Gaule du matin. Ami de la poésie, niquez vos races. Bon, du coup, Léon fesse Kennedy, là. Comment ça se passe? Il y a les coffres, les machins, j'ai rien compris, putain, t'es mort. Il faut mettre les noms, les machins, on verra plus tard. On verra plus tard qu'on n'aura pas le choix. T'es mort, toi? T'es pas mort? Va falloir y penser, hein, parce que... Je récupère tes munitions. Je veux tes bottes, tes fringues et ta moto. Donc là, encore ça, excusez-moi, il y a à gauche, là, et qu'il se pourrait, là, on est là. Bon. Bon, du coup, vite fait, je me mets une pizza au four, je roule et j'arrive. De ce bâtard, la vie. Moi aussi, je vais mettre une pizza au four à rouler et j'arrive. Va venir. Donc là, avec l'hélicoptère pourri, tout cassaï. Donc là, on était là. Toujours en mode blessé de ouf. Hey! Ah, il est moche! On dirait un mec du fit game de YouTube. Bouge pas, j'arrive tout de suite! D'accord! Bouge pas! Il y a un élément de scénario qui va nous interrompre. Genre ça. Claire. Je suis content de te voir. Et bisous. Et bisous! Cet hélicoptère est sorti de nulle part. J'ai rien de cassé. Évidemment, aucune de ces poches contient la clé. Je me trompe? Malheureusement, non. Toi, yeah. T'es des flics de ouf, fait. Je suis revenu. Tant mieux. Des nouvelles de ton frère? Non, pas encore. Claire, garde espoir. On finira par le retrouver. Je vais pas faire le ménage. Mais... Tu sais ce que ça veut dire? Ouais. À l'heure du dîner. Quoi, ouais, genre, bâtard? Reste pas ici. T'en fais pas pour moi, Léon. Fais attention à toi. C'est plus Smash? Ah bah non, Yaya, bah non, c'est plus Smash, effectivement. Allez. Yaya qui me dit c'est le plus. Bah, tout à l'heure, il a dit je fais une arène. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais sur une bonne série. Donc j'ai dit dès que je perds sur ma série, j'arrive, et au moment où je perds, elle a dû partir. C'est un peu fort le jeu. Est-ce que c'est possible que ce soit moins fort? C'est un peu ta spécialité, ça, non? Ah ouais, mais énorme. Énorme. On est bien. Marvin, vous me recevez? Marvin? Marvin? Allô, Marvin? Des balles. C'est bon, des balles. Ah bah c'est Yaya. Oui, je suis revenu, finalement. Le retour du retour. Ah, petite pince à... Pour couper des trucs. Il y a pas de clé, mais il y a la pince. Elle est... Smash Bros, là. Oui, enfin tu sais, d'une certaine manière, un petit peu. Revenu, j'étais en mode, mais c'est plus Smash Bros, ça. Oui, mais c'est pas grave, ça. Ah, j'ai mis... Ils sont bien, les mecs, ils mettent les outils juste à côté de ce qu'on a besoin. Enfin, jusqu'à tout... Enfin, voilà. Ils mettent la clé à côté de la porte, c'est trop bien. Peut-être un jour ça reviendra dans la franchise FF, dans la Boost Star Enix. De... Capcom, enfin... Ah bâtard! Non, meurs! Je vais mourir, je vais tellement mourir. Danger, 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 danger.
Je vais mourir. Attends. Ça. Mais il vient plus. Viens, connard. C'est pas très gentil. S'en fout, déjà mort. Non, 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 non. Ah non, vous levez pas touche. Ah non. Ah non. Oh, zombie asiat dans le dos. Ah non, mais non, mais pourquoi il m'attaque? Je vais te tirer des balles. Comment on fait pour qu'ils arrêtent de nous... Mais tu veux juste rentrer dans le cul. Ah, ça m'énerve. Mais reste par terre, fils de... Pute. Il est où? Qui? Où? Comment? Quoi? Il faut tirer dans la tête par contre. Parce que mais oui, oui, mais je fais ce que je peux, moi, avec mes vieux réflexes de vieil homme. Il est là? Vas-y, viens, 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 fils de... Viens, côté D. Bon, bah, tu sais quoi, je te shoot par la fenêtre, tu m'énerves. Par la fenêtre. Bonjour. Ah, le Mister X, là, le super connu. Ouais, celui Mister X, genre, ce petit connard. Moi je suis au moment où il y a des gens qui me spoilent, apparemment. Connard. Ouais. Non. Mais putain, mais comment c'est qu'ils sont morts, ces bâtards de pute? Tu l'as jamais fait sur Play? Non, alors j'ai fait le 1, le 3, le 4, le 5. Mais pas le 2. Je crois que Mister X, il... Comment c'est quand ils sont morts, les zombies de merde? On sait pas, justement, c'est pour ça que c'est difficile. T'as la musique, en général, c'est l'ambiance sonore. Ah bah, oui, alors ils font... Et du coup, c'est un indice, j'imagine. Non, c'est pas ça, c'est qu'en général, t'as une certaine musique quand t'as des zombies qui sont pas loin et elles s'arrêtent quand ils sont morts. Ah, tu l'as fait le jeu, toi? D'abord. Eh, mais c'est anxiogène comme jeu, arrêtez d'être anxiogène! C'est un peu le but de Resident Evil. Ah, je sais, j'en ai vraiment fait masse, hein, des Resident Evil. Hein. Non, attention, zombie en papier! Oh, c'était rigolo ça, attends. Pepper zombie. T'as fait quoi? T'as fait les Dead Space. Dead quoi? Dead Space. Dead Cell? Dead Cells? Non, Dead Space. Ah, Dead Space, non! La porte, parce qu'il y a des trucs, sauf si tu l'as déjà fait. Alors, en fait, c'est Resident Evil, mais en version beaucoup mieux. Enfin. Oh, bah, calmez-vous avec les assomptions. C'est une sorte d'alien bizarre, mais par contre, c'est vraiment bien fait au niveau de l'horreur. Un mes trucs. Alien Isolation, un jeu que j'ai adoré, même si je n'y ai jamais joué. Lequel? Alien Isolation? Alien Isolation. Ouais, il paraît que c'est un peu une déception de ce que j'en sais. C'est quoi ça? C'est un jeu où t'as un alien et tu leur fais une isolation dans les murs de ta maison? Non. C'est marrant, ça dit que non. Non, t'es une survivante d'un vaisseau et tu dois t'enfuir, sauf qu'il y a un seul Xenoverse et toi t'as pas d'armes. Un seul Xenoverse? C'est un gros qui est gros fils de... Je vais pas dire ça, mais c'est comme des sacrés. De pute! C'est-à-dire que maman, elle vend leur corps à des messieurs qui ont envie de faire du zizi. Les androïdes, donc les androïdes ont pas de maman normalement. Les androïdes ont pas de... Non, ils arrivent, ils te prennent, ils te claquent à terre. Attention! Angoisse man! Anxiogène man! Mais attention! Attention! Mister X. Cache-toi. Mister X quoi? Non, non, comment? Chose du 75. Moi j'avais fait, je me souviens, j'avais kiffé. Ah non, Resident Evil. J'avais fait le remake sur GameCube. J'avais kiffé ma rage, je l'avais acheté Day One. Faudrait que tu fasses le remake 3 maintenant. Il paraît qu'il est pas terrible et qu'il est très court. Malgré qu'il était 15 bien. 15h, bah c'est pas court 15h. Reste là-bas, toi. Resident Evil, si quand même, mec. Regarde Resident Evil 4, le jour où tu finis Resident Evil 4 en 15h, tu m'appelles. Je l'ai fini deux fois, je crois. Et la deuxième fois, moi je l'avais laté le jeu. Parce que, en fait, en New Game Plus, t'as plein de pognon, t'as les armes au max. Mec, ouais, le flingue, écoute. T'as tellement d'endroits où aller qu'en 15h tu le fais vraiment pas, je pense. C'est pas possible. Tu veux dire que tu fais en plus? Composant électrique. Non, mais je veux dire, faire toute l'histoire, ça prend plus que 15h, c'est pas possible de le faire. Ah, le Resident Evil 4? Ouais. Ouais, je pense. Bah, non, si tu vraiment tu vis l'expérience à fond, non, 15h, tu le fais pas, non, c'est clair. Clair et net. Clair et net, direct. Mange-moi le poireau. Grenade assourdissante. Hein?
Je pense même en speedrun, parce qu'avec Greg, on avait essayé de pas de le speedrun genre à la speedrun avec des bugs, tu vois, mais de le faire le plus vite possible, ça nous a pris quand même 4-5 minutes de jeu. Ah mec, je t'encourage à regarder le record du monde sur R4. Le record du monde speedrun sur Resident Evil 4, il est abusé, mec. C'est magnifique. Je crois que ça doit être du 1h50, un truc comme ça. Ouais, mais le gars, il use bug de ouf, je pense. Il utilise le bug qu'il utilise le plus, c'est le striker glitch, en fait. Il y a un truc que tu peux faire avec le fusil, qui fait que tu peux courir plus vite, en fait. Tu peux, mais pas beaucoup plus vite, et pendant un certain temps, en fait. Mais super bien. Ouais, je savais pas qu'il y avait ça, ok. Ouais, ah ouais, c'est le truc où tu vises et que tu dévises, c'est pas ça? Ah, je sais plus, c'est en fait, il y a un fusil à pompe qui s'appelle le Striker. Et à partir de ça, en fait, à base de pop. Striker, c'est celui qui a un chargeur, enfin, c'est celui qui a fait un peu fusil à pompe des années 80. Ouais, je crois, ouais, c'est ça. Utilisé. Et là, il se passe un truc. Que se passe-t-il? À nouveau pas une porte avec des zombies derrière, hein. Non, ça va. Putain, tu sais, j'ai regardé la vidéo, Cassie Falcon, il avait dit, là, 5 théories sur Smash Bros. Ouais. Oh, de l'électricité. Je suis un peu déçu. Enfin, la dernière théorie, apparemment, ce serait le dernier Smash. Ah non, mais c'est moi qui avait dit, qui en avait parlé, en fait. Ah, c'est toi qui avais parlé de Didi Chandoui, là, enfin... Didi Chandoui, ouais, mais ce mec, il est... En plus, mec, il fait les 5 théories qu'il fait, c'est génial, c'est toujours trop bien, gros. C'est toujours trop bien, il fait trop des bonnes vidéos, ce mec. Ouais, mais il y a des youtubeurs comme ça. Je regarde de temps en temps, mais des fois, il y a des théories genre Animal Crossing, je trouve ça un peu... Mais ce qui est marrant, c'est que ça tient debout, en fait, les trucs. Les théories, c'est qu'elles tiennent debout, c'est trop mais rigolo, en fait. Elles sont un peu beaucoup cherchées et un peu farfetchées, tu vois, mais... Ah bon, on s'en fout que ça soit vrai ou pas, mais tu vois, il y a des théories, en fait, qui ont fait surface à un moment sur certains trucs, et qui, en fait, sont incroyables, genre, une théorie sur Mario 3, en fait, par exemple, qui dit que, en fait, Mario Bros 3, en fait, ça se passe en fait, c'est que du faux, c'est dans un théâtre, en fait. Et c'est une pièce de théâtre, en fait, et qu'en fait, Mario et tout ça, ils sont sur scène, parce qu'au début, au tout début du jeu, en fait, l'intro du jeu, c'est un rideau qui se lève, en fait. Et l'autre, il dit, bah, en fait, c'est une pièce de théâtre et tout, et les gens, ils ont pété les plombs, ils ont cru que, ils ont dit, ouais, c'est trop vrai. Et il y en a, ils ont dit, ouais, mais non, vous avez craqué. Et Nintendo, ils ont dit, mais si, c'est vrai, en fait. Ils ont confirmé la théorie, ils ont fait, what the fuck, les gens, ils ont pété les plombs, en fait. Et c'est trop rigolo parce que tu dis qu'en fait, finalement, je dis beaucoup en fait déjà. Et les gens ils sont créatifs, ils trouvent des trucs et voilà, et au final ça se révèle être vrai. Mais après, si... Si ça tombe Nintendo, ils ont juste vu le truc, ils se sont dit, oh c'est bien, on va dire que c'est vrai. Ils ont vu la thune, oui. Voilà. Ouais, j'allais dire ça se trouve. Argent. Mais en fait, dans le jeu, en fait, si tu regardes le délire, c'est que Mario Bros 3, tous les blocs, les machins, enfin, il y a plein de trucs, en fait, où c'est soutenu par des câbles, par des fils. Tu vois que c'est relié, puis ça fait vraiment des cortes. Enfin, c'est rigolo, en fait, c'est bien regardé, et c'est... Voilà. Une fois que tu... Je trouve que tu dis beaucoup trop, en fait. Et carrément. Je dis beaucoup trop quoi? Non, qu'est-ce que tu disais, Xeno? Des balles. Un jeu qui me fait vraiment penser à un théâtre, c'est... Paper Mario sur YouTube. Ah oui, mais carrément, mais sauf que ça. Paper Mario, en fait. Ça, c'est revendiqué, je crois. Ça c'est assumé, c'est censé être comme ça. Ouais, mais celui sur GameCube, c'est quand même le meilleur. J'ai vu les suites, elles m'ont jamais donné envie de les faire. Alors que celui sur GameCube, franchement. C'est la porte pillénaire. Bah, c'est marrant, c'est sur ma liste, faut que je me le fasse en émule, en vrai. Non, j'ai pas dit émule. Il est génial, mais. Mais il faut que tu prépares un paquet d'heures de temps, parce que pour finir, même sans les quêtes annexes, il est long. Ouais, bah après voilà, c'est un RPG, donc c'est censé être un peu long, quoi. Ouais, mais il y a RPG, hein, ça veut rien dire, RPG. Mais là, je suis sur Bravely Default sur 3DS, là. Il est vraiment bien, putain, ah ouais, ce qu'il est. Mais il est compliqué de ouf, mec, en fait. Il est tellement compliqué au niveau gameplay et tout, c'est baisé. En fait, c'est du tour par tour, si tu sais pas si tu connais. C'est du tour par tour, mais... Tu peux économiser tes... comment dire? Au lieu d'attaquer sur un tour, tu peux te défendre. Et quand tu te défends, tu économises une action. Et le coup d'après, tu pourras faire deux actions d'un coup, en fait. C'est le délire?
Ouais, ils ont à peu près le même système dans Octopath Traveler. Ah bon? Ah, ça va me saouler. Parce que... Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est... Enfin, c'est pas exactement comme ça. C'est... T'as un système de... Donc, l'autre, c'est que t'as une action, et soit, effectivement, soit tu tapes, soit tu fais des sorts défensifs, genre tu te soignes, tu mets des objets, des trucs comme ça, ça te prend pas l'action. Mm. Et du coup, tu, au bout d'un moment, bah, tu peux mettre des quadruples attaques en une fois, ou des trucs comme ça, enfin... Ah, c'est ça, et... Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Et c'est... Dans c'est, le c'est... jeu mobile Jurassic World, il y a un système de combat, c'est pareil. Apparemment, c'est pas pareil, mais genre... C'est stylé, à moins que tu sois pas assez fort pour finir tout le monde en un tour, et... ou que le boss, en fait, il le fasse aussi. Et là, ça casse les couilles. Quand le boss il commence à le faire, ça commence à un peu casser les couilles. Ah, ça. Est-ce que... Non, c'est pas ça. Attends, okay, attends. Bon, FF7, franchement. FF7, y'a rien à dire. FF7, tu l'as installé, on aurait dit un... Et tu jouais en même temps. C'était horrible, tellement que tu buguais. Carte de l'armoire à fusil. J'ai rien compris ce que t'as dit sur la fille. Tu buguais et parce que tu jouais à Smash Bros en même temps, c'était pas une bonne idée. Ça faisait un diaporama. Qui veut un fusil à pompe? Moi. Là, c'est bon. Moi je fais. Là, c'est bon, je vais télécharger. Bon. J'ai un fusil. Il m'a déjà coûté presque une nuit complète. Violent. Ah ouais. Ah mais Xeno, c'est un acharné mec. T'as cru c'était Bambi le mec ou quoi? Ouais, j'avais mangé mon micro pour faire un bruit horrible, je me suis dit bah non, il y a un stream, faut pas faire ça. Qu'est-ce qu'il t'allait faire en gros? Qu'est-ce que c'est ces histoires de... Qu'est-ce que c'est donc ces niaiseries? Je peux saturer mon micro mais genre... Pourquoi faire? Mais pourquoi faire? Pourquoi? Je sais pas, pour emmerder mon monde. Bah ouais, faut pas... Mais non, faut pas le faire. Parce que si tu le fais après, moi pas content. Et moi si pas content, trouver ton adresse. Moi faire en sorte que toi tombes contre moi au premier tour de tous les tournois. Ah oui, voilà, exactement. Et moi t'humilier avec le perso nul. Moi t'humilier avec Dadidou. Oui, MDR, je joue Isabelle, calme-toi. Mais Isabelle, c'est bien. Bah, c'est bien comme perso, mec, Isabelle. Sa canne à pêche, elle est un peu abusée. Même si des fois, il y a des trucs que je comprends pas trop. C'était qui l'avait joué On avait un joueur là récent Isabelle qui... Justement, qui jouait Marie. Et qui le jouait super bien, enfin dans le sens que... Le problème, c'est que en fait... 1, 2, 3, 4, t'as joué aussi 5, avec Mine. 10, c'est 2... le gamin qui nous pète avec Marie, Marie là. Ouais... C'est pas mec... Pas mec Kanjiroin. Ah oui, c'est... Ouais, non mais vas-y, mais... Pff. Il s'appelait comment, lui? Je sais pas, j'ai pas envie de ça. C'est anxiogène, mec, attends, c'est ouf comme délire. Bah, c'est Marie, ça se joue comme ça, ouais, c'est... Ça a une portée négative sur tous ses coups, donc ça se joue comme ça. Et du coup, l'arène, elle est ouverte. Ouais, et... par contre, certains de ses coups sont horribles. Genre, son up-B, il est horrible à placer. Son upper, pardon. Voir les fichiers Y, puis RB. Le pire. Le pire, c'est celui de Inkling. Franchement, il n'y a pas pire que le upper de Inkling, je crois. Ah non, le upper... Ah non, j'ai rien dit, je me suis trompé. Putain, je sais pas dire. Le neutral R, il est chiant à placer. Le neutral R. Oui, le panneau stop, là. Ah, c'est pas le neutral R, c'est un smasho, ça. Oui, le smasho. Putain, mais je sais pas parler, hein, c'est bon. C'est pas compliqué, de toute façon dans les coups, t'as les neutrales, enfin t'as les smash, t'as les tilt et t'as les R. C'est tout ce que t'as à apprendre, après le reste... Enfin si, t'as les jabs aussi, mais les jabs, c'est peu utilisé. Bah c'est quoi, je vais sauvegarder puis on va se casser le cul, hein. On va faire ça. Hein. Bah moi j'ai bah alors je finis de jouer un truc et après j'arrive. Je vais demander en spectateur le temps de manger ma pizza, mais il est disponible pour vous, messieurs. Ah le mec il fait des rings pour pas jouer. Ah oh, bah si c'est comme ça, moi j'ai... aussi je le comprends, hein. Moi bouffe supérieure à Smash Bros. Bouffe supérieure. Oui j'avoue. Mais bon. C'est pour ça que je fais les deux, tu vois. Bouffe supérieure à pratiquement tout aussi pour moi. Ça
Putain, surtout confinement là, je m'en sors pas les mecs, je vous jure. J'ai mon poids, il fait. Il monte, il descend, il monte, il descend. Je pète plein. Tout se passe bien. Bon, il fait ça à longueur d'année. Ah, mais ça rentre à rien en vrai, parce que je fais un peu de sport moi, ce matin. Je dors de plus en plus et je suis de plus en plus fatigué. Ce matin, je vais faire ma muscu. Je me lève, je te jure. Je me lève pour faire ma muscu. Je m'échauffe. Je me mets devant la barre. Je fais 4 répétitions. J'ai fait. Nique ta mère. Et je suis parti. Ça m'a saoulé. Bon. Allez, quittons cette partie de d'anxiogène de ouf. Allez, va. J'en démarre le stream. Je relance le stream. Bah oui, faut que je crée une coupure. Qu'est-ce qu'il fait ce... Oui. Quitter le jeu, oui. Allez, coupure.